1984 de notre ère, naquit dans une antique cité un enfant prénommé Sébastien. Fils du seigneur Jean-Jacques et de la marquise Anne-Marie, il était le descendant d'une famille lotoise de Rocamadour. Béni par la grâce des dieux dès son plus jeune âge, il allait vivre une enfance somme toute heureuse, rejoint par un petit frère Florent avec qui il était très complice. Évoluant au sein de cette belle famille, Sébastien n'aura alors de cesse de faire ses preuves pour mériter sa place de futur comte de Lasbourg. Yeah! Oh! Extra! Grimpeur, skieur, cycliste, cavalier, Sébastien semblait maintenant prêt à prendre son destin en main. Mais en réalité, lorsqu'il n'était pas en train d'accomplir de nouveaux exploits, Sébastien éprouvait parfois un sentiment de solitude. Fixant inexorablement l'océan, le jeune homme sentait que quelque chose, ou plutôt que quelqu'un, l'attendait de l'autre côté de l'océan. Des milliers de kilomètres de notre fougueux Sébastien, une jeune princesse africaine nommée Raphaël était elle aussi en train de faire ses preuves. Fille du noble paysan Georges de Soulignac de Bernédus et de Marie-Simone Nlongo de la redoutable chefferie de Kribi, Raphaël avait également deux sœurs, Marie et Sarah, qui du reste étaient qualifiées d'adorables et charmantes. Les parents de Raphaël, nomades infatigables, s'évertuèrent à lui faire découvrir le monde qui l'entourait, afin qu'elle puisse, à sa majorité, choisir la contrée où elle s'installerait. Après avoir parcouru le monde, la princesse Raphaël s'installa avec ses fétiches écrits-gris à Burdigala. Dès leur première rencontre, Sébastien eut un véritable coup de cœur pour la belle.
s'efforcera alors d'attirer son attention, même lorsque celle-ci entreprit de traverser les Alpes pour poser ses valises en Suisse. Mais grâce aux techniques infaillibles de séduction acquises auprès des chevaliers de Rocamadour, Sébastien s'infiltrera discrètement durant plus de 4 ans au sein du groupe de fidèles de Raphaël et la suivra dans toutes ses pérégrinations. La suite, un soir d'automne, ces deux âmes parvinrent enfin à exprimer l'un à l'autre leurs sentiments dans un langage commun, probablement aidés par quelques hydromels et liqueurs. Pour d'obscures raisons, probablement liées à l'absence d'alignement de Vénus dans le ciel de Jupiter et dans le trident de Neptune, ils firent patienter leurs amis, famille et marabouts durant plus de 10 ans avant de célébrer ce mariage. Puis, le comte de Lasvo et la princesse Raphaël s'installèrent tous deux dans le domaine de Mora, de l'autre côté des Alpes, et y vécurent heureux. Et il paraît même, sous couvert de vérification de nos sources, qu'ils eurent beaucoup d'enfants.